Un traitement pour l'eczéma sur le cuir chevelu. Les problèmes de peau ne sont pas faciles à traiter car ils sont souvent des symptômes d'autres problèmes de santé et nécessitent des produits spécifiques ainsi que beaucoup de patience. Dans cet article, nous allons vous donner quelques conseils pour réaliser un traitement maison, qui vous aidera à éliminer l'eczéma qui apparaît sur le cuir chevelu, et qui provoque tant de gênes chez les personnes qui en souffrent. Au moment où nous détectons de l'eczéma sur notre cuir chevelu, nous devons éliminer de notre régime alimentaire les aliments suivants. Les viandes rouges et la charcuterie. Les aliments frits et pré-cuits. Le lait et les produits laitiers riches en graisse, fromage frais, crème chantilly, glace etc. Le sel de table, on peut consommer du sel marin en petite quantité. Le sucre blanc et les édulcorants, à l'exception de la stevia. Les farines raffinées, surtout celles de blé, mieux vaut opter pour de la farine d'avoine, de pois chiches, de seigle, d'épeautre etc. Il existe certains aliments qui cachent des propriétés bienfaisantes pour prévenir et éliminer tout type d'eczéma, qui apparaît sur n'importe quelle partie du corps. Pour réaliser un traitement complet, efficace et naturel, la première étape consiste à inclure ces aliments dans nos menus quotidiens. Cependant, nous devons être réguliers et patients car les résultats n'apparaissent pas d'un jour à l'autre. Les jus naturels de pommes, de poires, de carottes, de gingembre et de céleri, consommez-en le plus possible, à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner. La levure de bière, c'est un grand purifiant de la peau qui est recommandé dans les cas d'eczéma et de dermatite. Les boissons végétales d'avoine, de riz, d'épeautre, d'amande etc. pour remplacer le lait d'origine animale. Les graines germées de luzerne, de tournesol, de brocoli etc. ce sont d'excellentes sources de nutriments, que l'on peut acheter ou faire germer chez soi. Les infusions de prêle, de salsa pareil et d'ortie. Les fruits et les fruits secs. Le traitement à l'arbre à thé. Avant de vous laver les cheveux, au moins deux fois par semaine, vous appliquerez de l'huile essentielle d'arbre à thé sur votre cuir chevelu, afin d'éliminer tous les germes pathogènes que provoque l'eczéma. Mélangez-le avec l'un des produits suivants, selon votre type de cuir chevelu. Cheveux gras, avec du gel d'aloe vera. Cheveux secs, avec de l'huile de coco. Mouillez-vous la tête avec un peu d'eau tiède. Appliquez bien cette préparation sur le cuir chevelu, notamment sur la zone affectée. Mettez une serviette autour de vos cheveux. Laissez agir pendant une demi-heure. Lavez-vous les cheveux normalement. Le shampoing au bicarbonate et au vinaigre. L'eczéma est un problème très délicat qui demande des soins avec des produits spécifiques. Cependant, ces produits ont tendance à être chers et ils ne sont pas aussi naturels qu'ils le prétendent. C'est pour cela que nous vous proposons un shampoing maison totalement naturel et économique, qui va vous aider à équilibrer le pH naturel des cheveux pour que l'eczéma disparaisse. De quoi avons-nous besoin ? Une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude dilué dans un verre d'eau chaude. Les trois quarts d'un verre d'eau avec un quart de vinaigre de pomme. Appliquez l'eau avec le bicarbonate uniquement sur le cuir chevelu, car sinon vous risqueriez d'assécher les pointes. Ensuite, appliquez l'eau au vinaigre, laissez agir une ou deux minutes et rincez bien à l'eau. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter à ce liquide quelques gouttes d'une huile essentielle pour améliorer l'odeur, même s'il faut savoir que les cheveux ne sentiront pas le vinaigre une fois qu'ils seront secs. La cure à l'eau de mer. Les personnes qui vivent près de la plage ou qui ont la possibilité d'obtenir de l'eau de mer peuvent l'utiliser pour rincer leurs cheveux. L'eau de mer nous apporte tous les minéraux dont nous avons besoin dans les proportions nécessaires pour notre organisme. De plus, elle est idéale pour ses propriétés anti-inflammatoires, alcalinisantes et purifiantes, qui sont excellentes pour lutter contre l'eczéma. Laissez sécher vos cheveux imprégnés d'eau de mer et ensuite, rincez-les à l'eau tiède.